Good morgen, allez, Iden et Tutra aujourd'hui le Nishmat, Machlouf Micha ben Masouda, Rivka, Bat Levi, Itrak, Avram Chayn, Orber ben Fortuna, Mazal, Loven Yudit, Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez, vous essayez de donner une prochaine étude de Mishnah Kotel, la sécurité éternelle. Nous étions à Sechet Midot, Peri Gimel, Mishnah Gimel. Les Mata Baritzpa, Beoto Hakeren, Makom Ayasham, Ama Alama, Betavla, Shel Shaish, Betabat, Haïta, Kevu Abba, Shebo, Yurdin, Lashit, ou Menakin Oto. Vekeve, Shaya, Lidromo, Shel Misbeach, ושלושים ושתיים על רוחב 16, ורבובה הייתה לו במערבו, ששם היו נותנים פסולי חטאת העוף. On continue dans la première partie de notre Mishnah, à préciser un petit peu ce qu'on a évoqué, les deux trous qu'il y avait dans lesquels on versait les restes du sang. La première partie de la Mishnah va compléter justement ce sujet. Dans la brochure des dessins, ça correspond à la page 4 en haut à gauche, ou dans la version papier 7 en haut. D'accord? C'est ce dessin-là, il y a marqué Perek Gimel, Mishnah Bet Gimel. On va travailler dessus aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile. Je me rapproche d'abord, regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez la photo du Misbéar en voyant bien l'angle Dromar. On se trouve ici et on regarde l'angle de ce côté. Et ce qui m'intéresse de distinguer, c'est ces deux choses-là qu'on a, en fait. Il y a les gros doigts qui ne vont pas vous permettre de voir. En tout cas, ça se trouve ici. Il y a deux choses à regarder. Par terre, un couvercle, et dans le mur, un trou. C'est les deux choses sur lesquelles on va parler aujourd'hui. Et on commence à traduire. Là, les Mata Baritzpa. En bas, par terre, Beoto Akeren, dans le même coin, c'est dans le même secteur. Makom Ayasham, Ama Al Ama. Il y avait là-bas un lieu qui avait une taille de ama à lama, une coudée sur une coudée, 50 cm sur 50 cm, vetavla, shel, shaish, et il y avait dessus un couvercle en marbre, vetabat, haïta, kevuaba, et il y avait sur elle une tabat, un anneau, qui était fixé dessus, shebo, yordin, lashit, omenakin, oto. Par son intermédiaire, on descendait au shit, c'est un mot un peu délicat à traduire, ça signifie en fait de traduire de partir jusqu'aux fondations, mais on expliquera exactement après c'est quoi, au menakin oto, et on le nettoyait. Deux interprétations en fait, parce qu'il faut se remémorer la Mishnah précédente et la Mishnah Aleph de notre Pérec, c'est pas très loin, on est juste à côté. Il s'avère que finalement, dans ce même coin, de Rome à Arav, sud-ouest, on avait deux occasions de verser quelque chose. Il y avait, dans la Mishnah Aleph, on avait évoqué l'histoire de l'oblation de vin, qu'on versait qu'il y avait des trous en haut du Misbéach, on versait, et que, depuis qu'Ezra a reconstruit le Beth Amikdash, ça était devenu une partie intégrante du Beth Amikdash, et donc il y avait des tuyaux, ça descendait jusqu'en bas. Ça descendait jusqu'à bas, mais il y avait, même si c'est précisé dans des endroits, que ça descendait jusqu'au Théhom, jusqu'au centre de la Terre, c'est-à-dire 16. Mais malgré tout, il y avait un moment où il y avait des restes qui se stockaient et qui faisaient bouchon, donc il fallait débouger. Même principe avec la Mishnah précédente. On avait évoqué qu'il y avait des trous dans le Yesod, dans le socle du Misbéar, dans lequel le reste du sang était versé, et puis par son intermédiaire, il y avait ensuite une gouttière qui le conduisait jusqu'au Nahal Kidron, à la petite rivière, jusqu'à la Hama, la petite rivière qui traversait le Beth Amikdash, la Hazara. Maintenant, l'un ou l'autre, il y a une marloquette en fait entre le Barthé Noir et le Tiferet Israël, je ne sais pas sur qui ils se fondent, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, il y a ici une discussion que vous versez des liquides dans un trou, dans un tuyau, il y a un moment où, surtout que c'est des liquides un peu épais, il y a un moment où ça va se cumuler des résidus, jusqu'à la fin ça va se boucher. Plus particulièrement, le Tiferet Israël prétend, plus particulièrement avec les trous qui étaient dans le Yesod, qui étaient dans le socle. Donc, il y avait où on versait du sang qui est plus épais. Donc en fait, il y avait un moment où il y avait un bouchon et puis ça passait plus. Du coup, il fallait nettoyer. À cet effet, il y avait vous voyez ici dans le dessin, regardez dans votre brochure, il y a écrit là-bas, Bor Hashitin, le trou des Chitin. Alors d'abord, le mot Chit, quoi qu'il arrive, les liquides se versaient jusqu'à tout en bas, c'était les Chitin. Deux interprétations, soit c'est parce que c'est les fondations, Shtia, mais la chantier Tia, Mishtot, les fondations, où il y a le Tifatissa rapporte que ça vient au nom de Shotetin et les Shamadamim, que là-bas dégoulinaient les sangs.
l'un ou l'autre, ça revient au même. Il y avait une trappe qui était recouvercle. Il y avait une trappe profonde où en fait il y avait un Kohen qui était apte. Il ne devait pas être très gros parce que pour entrer sur une amas, ça c'est étroit. En tout cas, il pouvait descendre et puis déboucher de l'intérieur, ramasser tous les résidus de soit de sang, donc soit de vin, selon de quoi on parle. Et maintenant, la Mishnah m'enseigne, ben, sache qu'il y avait sur ce couvercle, il était, sur ce puits, ouais, ce trou-là, il n'était pas constamment fermé, et il n'était pas constamment ouvert. Il était fermé avec une petite, un couvercle de marbre, et qu'il y avait dessus un anneau qu'il fallait lever pour ensuite partir nettoyer les chitines, donc cette gouttière. Ensuite, deuxième sujet maintenant de notre Mishnah, avec Kevesh Aya Lidromo Shel Mizbeach. Et dans la partie sud, il y avait le Kevesh, la rampe. Ouais, vous voyez la rampe, elle est toujours au milieu. Maintenant, quelle taille elle fait cette rampe exactement? Eh bien, la Mishnah m'enseigne, Ushloshim Ushtaim Al-Rochav Shacheshre. Elle faisait une longueur de 32 amas, pas la pente elle-même, mais elle occupait 32 amas de la Hazara. Elle montait un peu sur le Misbéach, en fait. Ouais, parce que le Misbéach, il était en dénivelé. Il y avait le Yesod, après il y avait le Sovev. Eh bien, le Kevesh, il profitait de ces deux amotes-là. On aura des Mishnahs qui expliciteront longuement les mesures de tout ça. Pour le moment, on continue dans notre Mishnah. Donc, on précise que le Kevesh, encore une fois, la rampe, quelle taille faisait la rampe? Alors, la Mishnah enseigne. Le Kevesh aya l'hydromo shel Mizbeach. Il y avait une rampe au sud du Mizbeach. Où Shloshi Mushtaim, elle avait une longueur de 32 amas. Al-Rochav Shacheseré, sur une largeur de 16. Il s'avère que 16, c'est la moitié de 32. Tout le Mizbeach, il fait 32. Mais le Kevesh, il doit être au milieu et faire une largeur de 16, donc il va nous laisser 8 amas à partir du Yesod dans la partie ouest et 8 amas dans la partie est. Mushtaim al-Rochav Shacheseré, Shloshim Mushtaim al-Rochav Shacheseré, il avait une taille de 32 sur 12. Ou Revuva Hayalo Aitalo Bema'aravo. Et il y avait une Revuva, c'est le Bartanora nous dit, une petite, un louar, un tableau. En fait, c'était une sorte de petite fenêtre, pas. Qui transperçait tout le Kevesh, mais c'est fréquent, on avait déjà évoqué dans Maserhet Tamid, on avait évoqué déjà qu'il y avait, on appelle une fenêtre en fait, parce qu'elle conduit, on appelle une fenêtre un endroit même, une armoire encastrée, où ça creuse dans le mur, et bien ça s'appelle aussi une fenêtre dans la Mishnah. Donc la Mishnah enseigne qu'en fait il y avait une sorte de fenêtre pareille, quelle taille elle faisait, qui était donc sur le Kevesh lui-même. Si vous regardez de nouveau dans le fameux dessin, je vais le rapprocher un petit peu de la caméra. Regardez, sous mon doigt, en plein mur, il y a marqué en hébreu « Revuva ». Et on voit par terre la table à Shel Shaïch. Je vous rapproche de la caméra. Et regardez-le, j'espère que je ne danse pas trop. Voilà. Et donc, vous l'avez ici. Il y a en plein milieu un carré qui faisait une taille de une amas sur une amas. Et là-bas, lorsqu'on avait une « Khatata Of », la « Khatata Of », c'était le seul korban qu'on faisait en bas. C'est-à-dire qui montait jamais sur le Mizbeach en fait. Et le Khatataof, lorsqu'on le faisait, si toutefois il s'avérait qu'il était devenu Taref, alors plutôt que d'aller le jeter directement au Bet Asrefa, parce que le... Ouais. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On le posait dans cette fenêtre, et on le laissait là-bas pendant toute une nuit, jusqu'à qu'il va s'assécher, qu'il va un peu s'abîmer. Ça s'appelle Korban Shavar Tsurato, qu'il n'est plus maintenant, il a perdu son côté agréable et mangeable. Donc, de ce fait, seulement après, on tentait le faire brûler au Bet Asrefa, mais pas avant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.